la révision de la liste électorale, le recrutement et la formation des agents électoraux, l'enrôlement, des sujets au cœur de cette rencontre entre la Commission électorale indépendante et les organisations de la société civile. Après la révision de la liste électorale qui va intervenir à partir du 10 juin, 10 juin, il y a 3 mois pour sortir la liste provisoire. Quand elle sera apurée, il y aura la liste définitive des élections. Et je pense que c'est une excellente initiative et c'est rassurant. C'est la première rencontre d'une série d'autres rencontres qui nous permettront d'avoir d'abord les informations qu'il faut et de constituer un relais viable et efficace, vraiment avec les populations à la base. La participation de tous les acteurs pour des élections apaisées et transparentes. Un vœu cher à Ibrahim Kouibia Koulibaly. Pour le président de la CEI, les organisations de la société civile jouent un rôle important dans le processus électoral. Vous êtes un démembrement de la commission électorale indépendante quand je tiens compte de vos attributions. Vous êtes la commission électorale indépendante dans le processus électoral. Parce que vous serez porteur du message de la commission électorale indépendante auprès de la population. Vous êtes censé ne pas avoir de parti politique. Votre parti politique, c'est le peuple. Votre parti politique, ce sont les droits et devoirs de la population. Vous l'avez tellement bien compris qu'aucun rendez-vous électoral ne se fait sans vous. Et nous aussi l'avons compris ainsi. Cette rencontre est une initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, dans le cadre de son projet dénommé « Appui aux élections ».